En avril dernier, Anne-Sophie Lapix a eu l'occasion d'interviewer le directeur général de Twitter, Elon Musk. Un entretien au cours duquel le célèbre homme d'affaires s'était montré particulièrement agacé par les questions de la journaliste. Notamment lorsqu'elle a évoqué la modération de certains posts publiés sur le célèbre réseau social. Mais voilà, si beaucoup de personnes pensaient que le compte de l'épouse du publicitaire Arthur Sadoun a été bloqué suite à cet échange, tout porte à croire que la vérité soit tout autre. Sur Twitter, le rédacteur en chef de BFM Business Raphaël Grably a levé le voile sur ces fâcheuses rumeurs, mercredi 21 juin. Plusieurs comptes Twitter prétendent qu'Elon Musk a fermé le compte d'Anne-Sophie Lapix après leur interview, a d'abord contextualisé le journaliste. Une info qui semble être bidon, Anne-Sophie Lapix avait fermé son compte en 2020. Le scénario le plus probable aux yeux de notre confrère est qu'un petit malin a repris le nom de la journaliste sur Twitter. Et si le compte de ce dernier a donc été suspendu par la plateforme, si est tout bonnement parce que la journaliste du JT de France Télévisions n'était plus la propriétaire. Supérieur à supérieur à Léa Salamé, Pascal Pro, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Anne-Sophie Lapix, pourquoi a-t-elle suspendu son compte? Alors aux commandes du JT de France 2, en 2020, Anne-Sophie Lapix avait été très critiquée sur les réseaux sociaux. En mars 2020, cette dernière avait reçu Édouard Philippe, lorsqu'il officiait encore en tant que Premier ministre. Et comme l'avait révélé Le Parisien, à la suite de cet entretien, la journaliste avait été mal perçue par une partie des téléspectateurs qui, sur Twitter, lui avaient fait part de leur mécontentement. De ce fait, face à cette vague de critiques, Anne-Sophie Lapix avait fait le choix de suspendre son compte Twitter. J'ai reçu un torrent de bouse sur les réseaux sociaux, avait confié l'intéressé à nos confrères. Crédit photo, Marco C. Lacroix à Best Image. I think.